Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous envoie toute la paix du Seigneur partout où vous êtes à travers le monde, car la famille de Montagnard est une grande famille. Vous êtes au nord, sud, l'est et l'ouest. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au Montagnard du Canada, des États-Unis, aux montagnards de l'Australie, aux montagnards de l'Amérique du Sud, dans le monde arabe, partout où vous êtes en Afrique, que Dieu vous bénisse, aux montagnards de l'Europe, que mon Dieu vous bénisse abondamment, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Venez encore nombreux ce dimanche, nous allons clôturer ce puissant programme, la Bible ou la magie, parce que nous voulons actualiser ce grand thème que nous partageons avec vous, ça fait des années. Alors nous ne voulons pas que ce thème puisse se perdre. Alors nous allons le répéter de temps en temps au fil des mois, au fil des années, pour que ce message soit vraiment ancré dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je prie vraiment que ce premier jour de jeûne et prière soit un jour béni, un jour de gloire, un jour de miracle. Trois jours de jeûne et de prière où nous allons encore expérimenter la puissance de Dieu, la paix de Dieu, le miracle de Dieu dans notre vie. Alors avant de commencer, je voudrais que je puisse prier. Je dis vraiment Kohena, Seigneur, reste avec mon frère, reste avec nous. Kohena, Seigneur, Kohena, parce que nous avons besoin de la présence de Dieu. Quand Dieu s'assoit avec nous, quand Dieu marche avec nous, quand Dieu dort avec nous, quels que soient les impératifs de la vie, quels que soient les aléas de la vie, quelque chose se manifestera toujours, car dans sa présence, tout devient possible. C'est pourquoi il n'y a rien d'autre que nous pouvons désirer de tout notre cœur, si ce n'est que rester dans sa présence ou que lui y reste dans notre présence, parce que quand il est là, cela veut dire que nous sommes dans sa présence. C'est pourquoi nous disons Kohena. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Cela veut dire que de tout mon cœur, avec soif et désir, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin de contempler son temple, afin de contempler sa gloire. Car l'Éternel, ça je crois, c'est dans le psaume 27, car l'Éternel Dieu me gardera dans son tabernacle au jour du malheur. On comprend pourquoi David veut demeurer dans la présence de Dieu, parce que demeurer dans la présence de Dieu, tant que nous vivrons sur cette terre, ne nous éloignera pas des combats, ne nous éloignera pas des difficultés, ni des maladies, ni des accidents, ni des situations difficiles, mais nous avons la pleine conviction et la foi. Puisqu'il est là, il est capable de faire toujours la différence. Que mon Dieu bénisse vraiment chacun de vous, parce que nous avons la foi. Alléluia. Asaph dit, alléluia. Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. S'approcher de Dieu, c'est le plus grand bonheur que nous pouvons désirer. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mon âme soupire après Dieu. Alléluia, mon âme soupire après toi, ô Dieu de gloire. Mon âme cherche l'Éternel. Mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mon âme soupire après toi. Alléluia. Quand irai-je, quand paraîtrai-je dans sa présence? Oui, mon âme soupire après toi, à la recherche de Dieu vivant. Et je crois que pendant ces trois jours, Kohena, Kohena Seigneur au travail, Kohena Seigneur de gloire en mission, Kohena dans voyage, Kohena à la maison, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, shalom, 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 ça c'est l'introduction, la Bible ou la magie. Ici, ce soir, je voudrais encore introduire par la cérémonie spirituelle de Jésus-Christ. Ou les cérémonies et les rituels spirituels de Jésus. Jésus a été un homme
extraordinaire. Alléluia. Il nous a laissé un modèle. Il nous a laissé une manière de faire. Alléluia. Alors nous devons vraiment saisir la grâce de Dieu. Et je crois pendant ces 3 jours, le Seigneur va encore nous guérir, va encore nous bénir, va encore nous délivrer, va encore nous restaurer. Parce que j'ai la ferme assurance que la main de Dieu est sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Peu importe ce qui arrive, nous avons la ferme assurance que notre Dieu est un Dieu de solutions, est un solutionniste. Alors, les rituels et les cérémonies de Jésus-Christ. Quand je parle sur la Bible ou la magie, je parle sur les actes symboliques et les actes prophétiques. Puisque j'ai dit que, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le vrai qui copie le faux, mais c'est le faux qui copie le vrai. Ce n'est pas le vrai qui copie le faux, mais c'est le faux qui copie le vrai. Dieu ne peut pas copier Satan. C'est Satan qui copie Dieu. Alors, la plupart du temps, notre difficulté est basée sur la compréhension de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Nous avons vraiment soif, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir communiquer cette connaissance de Dieu. Ce que je voudrais dire ici, ce soir encore, partagez, bienvenue sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Nous étions là à 18h et nous serons là demain à 18h demain samedi et nous serons là demain à 22h et nous allons clôturer ce dimanche à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand de 10h à 13h. C'est dimanche le 40e. C'est dimanche 10. Donc nous allons clôturer, alors venez nombreux encore parce que nous aurons un moment de l'onction d'huile ce dimanche. Nous allons clôturer avec l'onction d'huile. Car mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Alors comme j'ai dit, je parlerai aujourd'hui des cérémonies et les rituels spirituels de Jésus-Christ. Jésus a été un homme de cérémonies. Jésus a été un homme de rituels. Il a prouvé à maintes reprises et à plusieurs dimensions. Alors, je voudrais que tu puisses taper, alléluia, la foi, la foi, la foi. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre Dieu agit d'une manière extraordinaire. J'ai dit ici que notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui agit seulement à gauche et quand tu l'amènes à droite, Dieu ne peut pas agir. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui agit seulement dans la vallée. Quand tu l'amènes à la montagne, il ne peut pas agir. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui attend le matin pour agir. Alléluia. Quand c'est la nuit, Dieu n'agit pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui agit seulement quand tout va mal. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui agit seulement quand tout va bien. Notre Dieu, il est multidimensionnel. Il n'est même pas tridimensionnel, je crois, malgré qu'il est la Trinité, mais il est multidimensionnel. Ça veut dire que notre Dieu a plusieurs milliards et milliards de manières de faire, de toucher. De même que quand tu sors dans la rue, tu regardes les hommes, on est tellement différents, au-delà des différences des races, des coutumes, des traditions. Bien aimé, ce qui prouve la multidimensionnalité de Dieu, c'est la diversité des choses que nous voyons sur la terre. Quand vous regardez la diversité des arbres, de fleurs. Quand vous regardez la diversité des couleurs, l'arc-en-ciel même, on dit que elle n'a pas 7 couleurs. L'arc-en-ciel, on dit qu'elle a plusieurs couleurs. Quand vous regardez même dans la famille, là où nous sommes nés, vous allez regarder qu'on n'est pas tous, on est tous de même père, même mère, mais il y a toujours une nuance qui nous différencie. Nous voyons que nous sommes pareils. Nous ressemblons, mais il y a toujours une différence. Ça veut dire que il y a plusieurs manières que Dieu agit. Alors ne soyons pas dans les stéréotypes, ne soyons pas dans les doutes, ne soyons pas dans le pourquoi tout simplement, mais soyons vraiment dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pendant ces 3 jours, Dieu va agir dans votre vie. Quelque chose peut basculer pendant que je parle. Tapez-moi 5 fois la guérison, la guérison, la guérison. Notre Dieu est un Dieu de multidimensionnalité parce que Dieu peut agir au-delà, alléluia, de ce que nous pensons et de ce que nous demandons à Dieu. Alors soyons prêts à faire entrer dans notre vie
le miracle. Le point clé de notre existence, c'est ne pas toujours avoir peur. Ah, ça c'est la sorcellerie. Ah, ça c'est de Dieu. Ah, qui a ce thermomètre d'ailleurs pour prouver vraiment que, alléluia, lui-même va se dire que ça c'est Dieu, ça c'est Satan. Parce que souvent, la frontière est subtile entre ce que Dieu fait et ce que Satan fait. Entre ce que Satan fait et ce que Dieu fait, la frontière est subtile. Pourquoi ? Parce que Satan lui-même est une créature de Dieu. Personne n'a été si proche de Dieu comme Satan, qui n'a pas été Satan avant, mais qui l'est devenu après. Personne n'a été proche de Dieu. C'est l'homme ou c'est l'archange qui tenait le sceau de Dieu. Celui-là qui certifiait ce que Dieu était en train de créer pour dire que ça, c'est de Dieu. Nous connaissons le pouvoir du sceau. Dans Ézéchiel, Ézéchiel dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Ça veut dire que quand Dieu créait ses œuvres, cet archange-là, il mettait le sceau de Dieu sur les œuvres, sur la créature, toute la création que Dieu a fait. C'est celui-là qui est devenu opposant, ennemi de Dieu. Cela veut dire qu'il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut faire que ce qu'il a vu auprès de Dieu. C'est pourquoi il reproduit la même chose. Dieu peut te guérir à travers une parole. Dieu peut te guérir à travers de la salive. Dieu peut te guérir tout simplement en te disant « saute deux fois, saute quatre fois ». Dieu peut te dire seulement « fais une kilbite ». Fais un acrobate et tu seras guéri. Dieu peut te guérir en te disant seulement, regarde au nord et tu guéris. Donc, Dieu peut nous guérir, Dieu peut nous délivrer, Dieu peut nous donner des enfants dans plusieurs manières et de plusieurs façons. Alors, gardons la foi. La clé, comme je dis, la base, doit être que tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau, parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, ils sont devenus enfants de Dieu. Celui qui naît de Dieu triomphe du monde, alléluia. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous appartenons à Dieu. Si tu marches dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, écoute seulement Dieu. Le véritable problème que nous avons est que souvent, nous avons plusieurs fois douté de ce que Dieu veut faire. Plusieurs fois, nous avons eu peur. Le doute et la peur, ce sont les éléments à éviter dans la vie. Bien-aimés, je ne dis pas que vous devez vous jeter à tout vent, tout feu. Non, je vous dis tout simplement que la peur et les doutes souvent nous bloquent et nous empêchent quelquefois et à plusieurs reprises d'accéder dans les dimensions spirituelles avec Dieu. Alors Dieu va te dire quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a deux mardis que nous avons sauté, mais le mardi prochain qui sera le 12, alléluia, c'est là où nous aurons une cérémonie encore spectaculaire à travers notre préfère page ou groupe ou Facebook privé. Samuel le Panzou privé. MDLP. Donc ce mardi 12 à partir de 22h, nous aurons un puissant moment de cérémonie. Préparez la Sainte Cène, préparez vraiment la Sainte Cène partout où vous serez. Ça sera mardi à partir de 22h. Je disais des éléments que nous devons briser dans notre parcours, sur le doute et la peur. Souvent, l'intelligence ne rime pas. Je dis pas que à tout moment, mais souvent, l'intelligence ne rime pas avec la foi. Je vous dis par exemple un jour, la Bible déclare que un homme très puissant, le général de Syrie, Naaman, est venu voir, n'est-ce pas, le prophète, parce que la jeune fille qui était sa bonne à la maison avait dit à sa femme, si seulement mon seigneur Naaman était à Samarie, le prophète Élisée qui est là-bas le guérira de sa lèpre. Parce que souvent, cette jeune fille était témoin du désespoir, du désarroi de Naaman, qui était un général
puissant à travers Naaman, la Syrie avait obtenu plusieurs victoires. Mais cet homme, plusieurs fois, multidécoré, avait un problème, il avait la lèpre. Et cette lèpre rongeait sa vie et l'empêchait à vivre pleinement sa vie. Combien de personnes ne vivent pas pleinement leur vie parce qu'ils ont une situation à tout fois, à chaque fois, à cacher. Parce que si les gens découvrent ce qu'ils cachent, et il a l'impression qu'il va perdre ses privilèges. Mais je crois que dans ce sens-là, nous devenons prisonniers, n'est-ce pas, prisonniers de nous-mêmes, alléluia, parce que c'est très important de vivre libre dans la vie. Et la Bible déclare qu'elle a écouté sa bonne, et puis il s'est présenté à Samarie chez le prophète. Je vous épargne les détails. Mais la Bible dit que quand cet homme Naaman qui arrive chez Élisée le prophète, d'ailleurs, le roi ne l'envoie pas chez le prophète, il l'envoie au roi d'Israël de Samarie. La Bible déclare, et puis le roi va l'envoyer, le roi est désespéré, et Élisée entendra, cela dira, envoyez-le-moi. Regardez bien, la Bible dit que Naaman est venu vers Élisée, Élisée ne l'a même pas pris, il n'a même pas reçu en audience, il ne l'a même pas vu de visage. Quand on lui a dit que Naaman est à la porte, il a seulement dit, à l'un des serviteurs, va et dites à cet homme, le général Naaman, va et lave-toi cette fois dans l'eau des Jourdains. Alors, Naaman est furieux. Naaman est tellement furieux qu'il prend avec colère ses chevaux et ses chars et puis il rebourse chemin pour rentrer à Samarie en colère. Et puis il se disait que moi je croyais que le prophète va sortir, le prophète va imposer sa main, le prophète va faire comme ça. Et finalement le prophète ne l'a pas fait. Et le prophète a dit seulement, va, fais cette cérémonie. Et puis la Bible dit, il va en colère, très très en colère. Et pendant que Élie et Naaman est en train de partir en colère, ils arrivent, ils doivent traverser le Jourdain. Et ses serviteurs lui disent, mais monsieur, notre général, mon Seigneur, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Parce que souvent, nous avons des théories de délivrance. Nous voulons dire à Dieu, voilà comment je veux que je sois guéri, voilà comment je veux que je sois béni. Il y a des principes que Dieu a établis. La prière, le sacrifice et tout ça que nous pouvons, n'est-ce pas, utiliser pour demander à Dieu. Mais nous devons savoir que quand Dieu répond, il ne répond pas toujours comme nous demandons. Il ne répond pas toujours, alléluia, de la manière où nous attendons. Et ces hommes l'ont dit, mais c'est simple, tellement simple. Jette-toi seulement dans Jourdain, fais ça cette fois. Si tu guéris, c'est bon, si tu ne guéris pas, on continue notre chemin. Mais néanmoins, comme Jourdain est là, jette-toi. C'est une cérémonie simple. On ne lui demande pas l'argent, on ne lui demande rien. On lui dit tout simplement de faire une pratique. La Bible est un livre de secrets, est un livre de codes, est un livre de cérémonies, est un livre de rituels. Et cet homme finalement va écouter ses serviteurs. Il va se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et puis à la 7e fois, paf, il est guéri. Sa peau est revenue comme la peau d'un enfant. La lèpre qui l'a dérangé, qui l'a rongé pendant des années, qui l'empêchait d'être libre, qui l'empêchait en public de pouvoir quand même sortir même avec une chemise de manches courtes. Bien-aimé, cet homme se sent guéri. Et il retourne rapidement chez l'homme de Dieu. Vous voyez, donc c'est l'homme de Dieu ne l'a même pas vu. Lui, il pensait que le prophète Élisée allait le toucher, allait faire des cérémonies sur lui. Mais Élisée dit, toi va, jette-toi ses mains dans la mer, dans le Jourdain. Mais ne le fais pas 2 fois, ne le fais pas 3 fois, fais ça 7 fois. Il est très important de comprendre que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu ne changera pas, mais nous devons comprendre. Alors ce soir, comme je suis en train de dire, je vais parler sur les cérémonies que Christ a instaurées et au travers desquelles il nous a montré que nous ne sommes pas tous pareils et nous ne serons pas tous guéris de la même manière. Et la meilleure façon, c'est d'écouter Dieu, combattre la peur et combattre le doute. N'écoutez pas toujours ce que les autres disent. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, Naaman est guéri, toi aussi tu seras guéri. S'il y a quelque chose qui t'a dérangé, ça fait des années, pendant ces 3 jours, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, aujourd'hui, alléluia,
à la fin de cette prière, tu prendras un verre d'eau seulement. Alléluia. Et nous allons prier et tu vas boire ce verre d'eau. Et je crois qu'il y a d'autres choses que Dieu peut faire. Dieu veut que tu puisses briser la doute, briser la peur. Alléluia. Briser les stéréotypes. Il est très important de comprendre que le monde vit à travers les rituels. Le monde vit à travers les cérémonies. Alors les rituels et les cérémonies, ce sont des actes par lesquels, bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel entre dans le monde physique. Et le monde physique entre dans le monde spirituel. Ce sont des actes symbolique, mais hautement spirituel. Il est très important. Alors Samuel va nous lire dans Marc chapitre 8, verset 22 au verset 26. Marc chapitre 22, Marc chapitre 8, Marc chapitre 8, 22 à 27. Vous allez voir ici ce que Jésus est en train de faire pour guérir cet homme. Tapez-moi 5 fois la guérison, la guérison. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Tu n'es pas assez faible pour que Dieu vienne à ton secours. Tu n'es pas assez pécheur pour que Dieu ne te pardonne pas. Crois que Dieu est capable de changer l'histoire de notre vie. Parce qu'il a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Dieu est là. Le Dieu qui a guéri Naaman à travers la bouche d'Élisée, c'est le même Dieu qui peut te guérir et qui va te guérir à travers de ma bouche. Parce que le même Dieu d'Élisée, il est ici avec moi. J'ignore quel est ton problème. J'ignore quelle est ta maladie. Mais peu importe le nom de ta maladie, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus guérit de toutes sortes de maladies. Peu importe le niveau de ton épreuve, ce qui est plus important, sens-toi capable que Dieu peut toujours venir au secours, alléluia, de ma vie. Il peut toujours me secourir parce qu'il a dit, alléluia. Lorsque un malheureux crie, l'Éternel écoute et il exauce et il le délivre de toutes ses angoisses, de toutes ses détresses. J'ai la ferme assurance que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui reçoit une guérison au niveau de son dos. Il y a quelqu'un qui reçoit sa guérison au niveau de ses genoux. Il y a quelqu'un qui reçoit sa guérison au niveau de sa vue, au niveau de ton œil. Tu reçois la guérison au niveau de ton œil. Reçois cette guérison. Et je crois, parce que Dieu est capable de le faire, il l'a prouvé plusieurs fois. Samuel va nous lire Marc chapitre 8, 22 à 27. On y va. Jésus se rendit avec ses disciples à Bethsaïda. Et on lui amena un aveugle. On a demandé à Jésus de le toucher. Vous voyez ça? Donc, tu viens déjà avec ta maquette de guérison. Tu dis, Seigneur, moi je veux être guéri comme ça. Seigneur, moi, Dieu va toujours le surprendre. Il est plus important de dire à Dieu, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Fais selon ce que tu veux. Ils ont amené, la Bible déclare, ils ont amené un aveugle. Hein? Ils ont amené. Voilà, reste là. Il prit l'aveugle par la main. C'était un aveugle, n'est-ce pas? Oui. On lui amena un aveugle et puis on lui demandait de le toucher. Et ils ont dit toucher. On y va, on y va. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Et il le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux. Lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il regarda et dit. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Mais qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Et Jésus le renvoya dans sa maison disant, N'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples. Non, on s'arrête là. C'était jusqu'à 27. Ah, ok.
dans les villages de Césarée et de Philippe, il leur posa en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Ok. Vous voyez ici, la Bible dit ici, tapez-moi 5 fois révélation, révélation, révélation. Souvent, nous avons manqué de choses, ce n'était pas la faute de Dieu. C'est vraiment comme la Bible dit, par manque de révélation, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Je prophétise qu'il y a la trompette qui sonne, la trompette de départ, la trompette, le début de la guerre. Il y a des trompettes pour le départ. Il y a la trompette pour s'arrêter, il y a le son de la trompette pour la guerre, il y a le son de la trompette pour dire que la guerre est finie, il y a le son de la trompette pour se signaler quelque chose. Je prophétise qu'il y a une trompette qui sonne pour ta guérison. Maintenant, c'est à nous de savoir, est-ce que la trompette qui a sonné, c'est que nous allons engager la bataille, ou la trompette qui a sonné, nous devons maintenant arrêter la guerre? Est-ce que la trompette qui a sonné, ce que nous devons maintenant arranger les tentes et redémarrer le voyage vers Cana, ou la trompette qui sonne, ça nous dit de nous arrêter en paix pour prendre un peu de souffle? Il est très important de comprendre ce que j'ai dit. Le problème souvent est que beaucoup d'entre nous, on pouvait déjà être plus loin, mais on est encore là parce que nous n'avons pas entendu le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, a dit Jésus. Mais puisque tu ne les as pas connues, désormais il viendra un temps où tes ennemis t'environneront de toutes parts. Ils t'écraseront au milieu de toi. Il ne restera pierre sur pierre qui ne doit être renversée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu les jours de ta visitation. Tapez-moi 5 fois visitation, visitation, visitation. Jésus a guéri plusieurs malades, a guéri plusieurs aveugles, a guéri plusieurs sourds muets, mais il ne les a tous pas guéris de la même manière. Il ne les a tous pas guéris de la même manière. La Bible dit ici qu'ils étaient venus avec une intention pour dire que Seigneur impose-le les mains à Bethsaïda. Et la Bible déclare que au lieu que Jésus puisse faire ce qu'ils avaient demandé, Jésus n'a pas fait ce qu'ils avaient demandé. La Bible dit, il fait au-delà, par sa puissance qui agit en nous, il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il est écrit, bien aimé le Seigneur, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur a pris cet homme, au lieu de le guérir publiquement, comme il avait guéri Bartimée, comme il avait guéri plusieurs personnes, comme il avait guéri, n'est-ce pas, la femme qui était courbée, il a guéri devant tout le monde dans la synagogue, quand cet homme aveugle, on amène cet homme aveugle, la Bible déclare que Jésus, il le prend et il l'amène hors de la ville. Il l'amène hors de la ville. Ça veut dire que cet homme doit être guéri, pas publiquement. La cérémonie que Jésus doit faire pour cet homme, peut-être ça peut scandaliser. Alors on peut se poser la question, pourquoi Jésus ne guérit pas cet homme devant sa famille? Pourquoi Jésus ne guérit pas cet homme dans la ville? Ta guérison peut-être est en train de traîner parce que tu as trop de peur, tu as trop de doutes. Ou soit peut-être tu es trop fatigué. Tu te sens peut-être trop pécheur que Dieu ne peut pas te pardonner. Nous avons vu dans la Bible combien de gens qui étaient des criminels et lorsqu'ils se sont repentis, Dieu les a reçus. Même l'enfant prodigue qui était parti loin, qui avait demandé tout son héritage, qui a vécu dans la prostitution, il était revenu et le Père l'a reçu. La Bible déclare que Jésus ne guérit pas cet homme en public. Il va le guérir hors de la ville. Donc en secret, tapez-moi 5 fois, secret, secret. La véritable difficulté que nous avons ici dans le christianisme est que nous voulons être conformes aux autres. Nous voulons voir comme les autres. Nous voulons faire comme les autres. Nous voulons entendre comme les autres. Nous voulons marcher comme les autres. Mais chacun de nous est différent. La seule chose qui peut nous unir, c'est le Christ. C'est la crainte de Dieu. C'est la sanctification. C'est le témoignage de Christ que nous avons. C'est la seule chose que nous avons en commun. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la crainte de Dieu, la foi en Jésus, la foi dans le Saint-Esprit, la foi en ces dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le seul élément
commun que nous avons. Mais nous devons savoir que nous sommes différents. La Bible déclare même qu'il y a une diversité de dons et diversité de manières d'opérer de ces dons. Il est capable de faire ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible déclare, il le prend, il l'amène en secret. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tu sois attentif. Peut-être moi je serai guéri publiquement, mais toi tu seras guéri en secret. Mais nous avons été guéris par le même Dieu. Et mais regardez ce que Jésus fait. Il l'amène hors de la ville, loin de ses parents qui l'ont amené, loin de ses voisins, loin des gens du pays, et il l'amène hors de la ville. Ils se sont retrouvés que lui est Jésus. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tu enlèves la peur, que tu enlèves beaucoup de doutes. Notre Dieu est un Dieu qui utilise tout et comme il veut et quand il veut. Et la Bible déclare, lorsqu'il l'amène loin, hors de la ville, et qu'est-ce que Jésus fait? Il met la salive sur les yeux. Il prend la salive. Voilà, dans l'aveugle né, l'aveugle de naissance, Jésus a craché par terre. Il a formé la boue et il a mis dans les yeux de l'aveugle. Mais cet aveugle de Bethsaïda, la Bible déclare que c'était pas comme ça. Il a pris la salive directement de sa bouche et il a appliqué sur les yeux de cet aveugle. Les deux sont aveugles, mais la procédure est différente. Dis avec moi, je suis différent. Le Seigneur a un multidimensionnel. Le Seigneur peut nous délivrer tout simplement parce que nous avons cru, nous avons compris que c'est à moi qu'il s'adresse, pas à quelqu'un d'autre. Il a pris la salive, il l'a mis dans les yeux de l'aveugle. Et la Bible déclare, lorsqu'il a mis la salive sur les yeux de l'aveugle, après quoi il lui imposa la main. Et quand il lui impose la main, après quoi il lui demande, alléluia, il lui demande, est-ce qu'il voyait bien? Et cet homme répondit, quand il a regardé, il dit, je vois, mais je vois pas tellement clair. Je vois flou, car j'aperçois les gens comme des arbres qui marchent. Je vois les hommes, mais je ne les vois pas comme des humains, je les vois comme des arbres qui marchent. Tout ça, Jésus est en train de nous expliquer quoi? Jésus n'a pas diminuer l'onction de son ministère. L'onction de Jésus n'est pas partie, n'a pas diminué. Le problème ici, Jésus est en train de nous donner un enseignement et que chacun de nous sera guéri de la manière dont Dieu prévoit, pas de la manière dont nous prévoyons. La Bible dit, toute parole de l'Écriture est inspirée, elle est utile pour éduquer, corriger et convaincre. On voit ici Jésus qui demande à un homme aveugle qu'il vient de faire une cérémonie, il prend la salive, il met dans ses yeux. Que le Seigneur, pendant cette nuit, qu'il crache dans sa bouche et qu'il te touche là où tu es malade. Et aie la patience. La Bible déclare, il demande à cet homme, est-ce que Jésus a besoin de ça? L'homme qui a marché sur les eaux, l'homme qui a multiplié les 5 pains et 2 poissons, l'homme qui a fait sortir Lazare du tombeau, comment il peut faire une telle cérémonie? C'est pourquoi tu n'es pas totalement libéré, tu n'es pas totalement guéri. Parce que le Seigneur te demande de faire certaines choses et tu fais comme Pierre. Et lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Lui, c'est Jean, toi tu es Pierre. Vous n'êtes pas pareil. Chacun de vous a sa destinée, a sa mission auprès de moi. Pierre, un jour, a demandé à Jésus, pendant que Jésus est en train de lui dire, m'aimes-tu, il regarde Jean et dit, alors Seigneur, toi tu ne parles qu'à moi, sur moi. Maintenant à Jean, qu'est-ce que tu dis? Mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, ça ne te regarde pas, mais toi suis-moi. Bien-aimé, déclare Seigneur, je vais te suivre par rapport à la révélation de la parole que tu me donnes. La guérison n'est pas loin. Mais le problème est que nous voulons être des copistes et des suivistes. La Bible dit, Jésus lui demande, est-ce que tu vois bien? Et il dit, je ne vois pas bien, je vois flou. Mais qui vient de lui poser la main? C'est Christ. Il y a des guérisons qui sont progressives ou progressives. Il y a des guérisons tic au tac. Mais il y a des guérisons, on doit prier, oindre d'huile. On doit encore attendre, recevoir encore une nouvelle révélation et dire encore, maman, on a oindre d'huile maintenant, dors par terre. Maman, le Seigneur a dit, fais une offrande. Maman, le Seigneur a dit, il faut jeûner pendant 3 jours. Donc, nous attendons. En quelque sorte, Jésus est en train de nous donner un enseignement de cet homme. Et que cet homme est l'image de plusieurs personnes parmi nous, que nous ne serons pas guéris en public. Nous pouvons être guéris à la maison. Combien de gens sont venus à l'hôpital? Ils sont venus à l'hôpital
ou soit ils sont venus à l'église. On a prié, rien n'est s'avéré. Et une fois qu'ils sont partis sur le chemin, paf, ils ont été guéris. Rappelez-vous de dire les prêts. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons être guéris. Il ne les a pas guéris. Il a seulement dit, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible déclare, ils ont obéi à cette cérémonie. Ils ont obéi à ce que le Seigneur a dit. Pendant qu'ils étaient en train d'aller, il n'a pas prié, il n'a rien fait. Il a dit seulement, tournez, allez, retournez dans la ville. Allez, vous présenter au sacrificateur. Quelqu'un pouvait se dire, mais Seigneur, nous sommes des lépreux. Comment nous allons voir les sacrificateurs qui sont dans les temples? La loi interdit que nous ne pouvons pas entrer dans les temples. Comment, au lieu de nous guérir, tu nous dis d'aller là-bas? Quelquefois, nous discutons avec le Seigneur et nous faisons passer le temps, les heures. Les années passent et nous risquons même de saluer la bénédiction. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la puissance de la parole que je déclare ce soir entre en toi, la puissance de la guérison, l'élément des miracles n'est pas dehors, se trouve dans ta maison. Se trouve dans ton corps, se trouve dans ton cœur, n'est pas loin. Pendant qu'ils sont en train d'aller vers l'opposition, ils se sont sentis guéris. Quelquefois, il y a des lois qui nous empêchent, la loi de la peur, la loi de la fatigue, la loi des doutes, nous empêchent de vivre réellement le miracle. Parce que nous voulons être guéris par rapport, nous voulons être délivrés, nous voulons être bénis avec un chemin que nous avons tracé. Le Seigneur va lui dire, est-ce que tu vois? Il ne voit pas. La Bible déclare, il va encore lui imposer les mains. Et cet homme a été guéri, loin de la foule. Il va encore lui imposer les mains pour la deuxième fois. Après avoir appliqué la salive, il lui impose les mains, il ne voit pas. Il voit les gens comme des bois, des arbres. Après, Jésus lui impose encore la main pour la deuxième fois. Des fois, il lui pose la main et cet homme a regardé fixe comme ça. Et la Bible déclare, cet homme a été complètement guéri. Je voudrais dire que il y a des choses que nous appelons Satan, mais c'est Dieu qui nous les a envoyées. La sorcellerie fonctionne avec les règles de la nature que Dieu a établies. Je vais vous dire une chose. Il y a maman Nancy qui va témoigner ce mardi où nous serons en Facebook. Elle est venue me voir. Elle dit, papa, je suis fatigué. J'ai un problème au niveau de ma tête. C'est comme si la tête veut exploser. Et cela, ça fait des années que ça dure. On m'a proposé de faire même plusieurs examens. Je fais rien, on ne trouve rien. Il y a un problème au nez, je ne sais pas quoi faire. Et quand cette douleur vient dans ma tête, papa, tu ne peux pas imaginer comment je souffre. Je me bats. Il y a des années, le Seigneur m'avait montré un fruit. J'avais certaines douleurs qui me dérangeaient beaucoup. Et on m'avait proposé de faire certains examens. Je n'étais pas convaincu de faire ces examens-là. Parce que vous devez savoir que nous devons marcher par la révélation et non par les sentiments. Ces douleurs étaient tellement atroces sur moi et ça durait vraiment plus d'une année. Plus d'une année, ces douleurs-là. Alors, je fais les examens, l'IRM, rien, on n'a vu rien. Je suis entré dans cet appareil-là, je ne sais pas comment on appelle ça, Samuel. Non, je suis entré dans cet appareil-là où on entre totalement comme ça, tout corps, tout. Hein, scanner, c'est ça le scanner? Je ne sais pas si c'est scanner ou quoi. C'est non. J'oublie le nom. C'est quel nom? Vous voyez cet appareil-là, quand vous entrez totalement comme ça, le nom m'a échappé. Bien-aimé, on n'a rien vu. Mais ce problème-là continuait. Et on m'a dit, non, il faut qu'on m'injecte un produit après pour vraiment voir qu'est-ce que j'ai. Quand je suis rentré à la maison, nous avons prié en famille. Je n'étais pas convaincu et aussi dans la famille, ils n'étaient pas convaincus que je puisse me soumettre à cet examen-là. Et on a continué à prier. Conduisons-nous dans la révélation. Vous devez savoir que ce n'est pas un péché qu'un serviteur de Dieu, qu'un enfant de Dieu consulte un médecin. Je vous le donnerai tous ces versets. Dieu guérit à travers les médecins, mais Dieu guérit aussi d'une manière surnaturelle. Alors,
cette situation a continué à durer. Un jour, je descends dans la cuisine. Et puis, pendant que je suis en train, je ne sais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire, et le Seigneur me montre ce fruit. Non, ce n'est pas ça. Donc, alors, non, ce n'est pas ça. Il y a un nom, c'est ce qu'on appelle. Donc, le Seigneur me montre ce fruit qui était dans la cuisine. Et je prends cela, ce légume-là. Je prends ça, c'était le matin. Je le prends à midi. Je le prends au soir. Je commence à le prendre 3 fois par jour. Au bout d'une semaine, cette douleur qui m'a hanté pendant plus d'une année, presque 2 ans, cette douleur a disparu. Et je continuais dans cette cérémonie. Je continuais à le faire. Et petit à petit, tout est redevenu normal. Vous allez me poser la question, comment? Je ne sais pas. J'ai seulement écouté. Quand je suis descendu dans ma cuisine, j'ai seulement écouté cette voix qui m'a dit, mange ces légumes-là. Et je commençais à manger ça. Le matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je commençais vraiment à manger ça. Et du coup, cette douleur-là a disparu. Vous voyez peut-être que Dieu ne voulait pas réellement que je puisse accepter, n'est-ce pas, qu'on puisse m'injecter ces produits-là pour aller, parce que j'avais fait déjà tout scanner, attaque, comment on appelle ça, qui entre comme ça totalement, et rien. Donc, j'écoutais seulement Dieu. Et le Seigneur m'a complètement guéri. Et quand Nancy est venue me dire, regarde ça, j'ai entendu dans mon esprit, donne-lui la même chose. Il y a des choses, bien aimé, tu n'as pas le droit de le dire publiquement, tu n'as pas le droit de. Parce que ça peut sembler la folie, ça peut sembler de n'importe quoi. C'est pourquoi Jésus a pris cet aveugle-là, sachant la cérémonie qu'il allait faire. Ce n'est pas trop hygiénique, prendre ta salive et mettre sur le jet de quelqu'un. Et Jésus savait que ça pouvait être quelque chose de scandale, ça pouvait être quelque chose de méprisable. Il a préféré le faire en secret. J'ai dit à Nancy, maman Nancy, j'ai dit parce que je l'appelle Nancy, elle est tellement proche, c'est vraiment ma fille. Pourquoi je l'appelle directement Nancy, c'est maman Nancy. Alors, je lui dis, va, prends ces légumes, fais ça chaque soir seulement. Toi, tu n'as pas besoin de faire ça matin, midi, soir. Fais ça chaque soir. Elle a pris, elle est partie. 3 jours, je crois 2 jours après, elle m'appelle et dit, papa, c'est incroyable. Je suis complètement libéré. Ma tête est libérée, je suis guéri. Je ne sens plus ces douleurs-là. Mais ce n'est pas la magie. C'est la Bible. C'est la révélation. Ce n'est pas parce que... cela veut dire que même les guides, peut-être, ça se trouve même dans ta cuisine. Mais si toi, tu le prends toi-même et tu le fais, ça ne marchera pas. Si toi-même tu dis, bon, comme j'ai entendu ça, je le prends, ça ne marchera pas. Donc, écoutez bien. Je vous avais dit que j'étais atteint du problème de peau. J'avais attrapé cette maladie-là de peau qui est comme, chez nous on appelle ça la maladie tropicale, maladie MPC, qui avait gâté toute ma peau. Je me réveille, quand ça a empiré, j'ai dit à mon épouse, sortons de la chambre, allons au salon, on dort au salon. La même nuit qu'on dort au salon, la nuit Dieu me donne une vision. Il me dit, achète la glycéline dans la pharmacie. Vous voyez que la glycéline, qui l'a fait? Ce sont les pharmaciens, ce sont les ingénieurs, les chercheurs qui ont fait cette composition de glycéline. Vous voyez que Dieu peut nous guérir même à travers le médicament moderne. Dieu me dit, va, achète seulement la glycéline et applique la glycéline sur ta peau. Ça faisait déjà 2 ou 3 mois que j'ai vu beaucoup de dermatologues. Ma peau était toujours abîmée. J'ai acheté des médicaments qui coûtaient 100 euros, 50 euros, 45 euros, 30 euros. Vous savez, la crème de peau coûte très cher. Alors, cette glycéline-là, la glycéline a coûté, je crois, à l'époque, coûtait encore moins cher, je crois. C'était dans les 1,50 € ou 2,50 €. Je ne me rappelle vraiment plus. Mais c'était moins cher. J'ai dit à maman, achète ça.
Maman est sortie, elle est arrivée, elle a déposé les enfants, et en rentrant, elle a acheté la glycéline dans la pharmacie, elle est venue, j'ai pris la glycéline, je suis entré dans la salle de bain, j'ai fait la douche, j'ai appliqué la glycéline sur tout mon corps. Et je suis sorti. Je me suis assis, sans me rendre compte, je ne sais pas si c'était tic ou tac ou quoi, parce que comme j'avais déjà cette situation, et Dieu m'a dit, j'ai obéi avec la glycéline. Et puis, j'ai appliqué la glycéline. Oh, je crois que 30 minutes ou 20 minutes, je me rappelle plus vraiment, hein, ou peut-être 40 minutes après, oh, je regarde comme ça ma main, eh bien, oh, j'ouvre comme ça la chemise, je dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre comme ça, oh, tout a disparu. J'ouvre comme ça, je dis, oh, mais c'est pas possible. J'ouvre comme ça, oh, je dis, maman, la peau est redevenue normale, la peau. J'enlève la chemise comme ça, tout mon corps est redevenu propre comme vous le voyez. Vous voyez bien, mais ce n'est pas parce que tu as prié, parce que tu as entendu, parce que tu as écouté la voix de Dieu. J'avais prié, j'ai vu des médecins, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit, j'ai acheté des produits qui étaient chers, mais je n'ai pas été, mon problème était toujours là. Mais lorsque j'ai appliqué la glycéline, parce que Dieu m'a dit, applique la glycéline, regarde ma peau. Applique la glycéline. Cela veut dire qu'il y a un pouvoir dans la révélation quand nous prions. Il y a un pouvoir, nous devons écouter. Cet homme a été guéri, ce n'est pas la même façon. Lui, Bethsaïda, et l'autre, c'était, bien aimé le Seigneur, quelque part dans une autre ville. Mais lui, la Bible déclare, quand les apôtres ont demandé, est-ce que c'est lui qui a péché, c'est lui qui a péché, ce sont ses parents, ce sont ses grands-parents qui ont péché. Jésus a dit, ni ses parents, ni lui, ni ses grands-parents, mais il est né aveugle, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Vous voyez, il y a des situations graves, difficiles, qui arrivent dans notre vie, parce que tout simplement, Dieu veut se glorifier à travers de ma situation. Dieu s'est glorifié à travers la stérilité des ânes. Dieu s'était glorifié, bien aimé dans le Seigneur. Dieu s'était glorifié à travers la guérison et la résurrection de Lazare. Dieu s'était glorifié, bien aimé dans le Seigneur, à travers l'accouchement de Sarah. Dieu peut se glorifier à travers de ta situation. Il y a des situations qui nous arrivent, non parce que nous avons péché. Et la Bible déclare, Jésus, en disant cela, cracha à terre. L'autre là, il n'a pas craché à terre, il a pris la salive, il a appliqué directement. L'autre, il a craché par terre, il a pris la boue et puis il a mis sur les yeux de l'aveugle. Après avoir mis les yeux de l'aveugle, au lieu que l'aveugle soit guéri, il dit, bon, lave-toi au réservoir de Siloé. Va, lave-toi. Après avoir appliqué la boue sur les yeux de l'aveugle, il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla et s'en retourna, voyant clair. Vous voyez que c'est le même Jésus, mais il ne le guérit pas de la même façon. L'autre, il est guéri en plein ville. Peut-être toi, tu seras guéri maintenant pendant que je parle. L'autre sera guéri à la fin de la prière ou pendant qu'il dort, parce que l'onction est déjà communiquée. L'autre, il lui dit, bon, comme tu as guéri, va, retourne dans ta maison, mais n'entre pas dans la ville. C'est compliqué. Comment retourner dans la maison et ne pas entrer dans la ville si sa maison se trouve dans la ville? Ça, c'est une parenthèse. J'en parlerai peut-être prochainement parce que je n'ai pas assez de temps. La Bible ou la magie, cela veut dire tout simplement que nous croyons aux cérémonies. Nous croyons au surnaturel. Nous croyons à l'onction d'huile. Jésus a utilisé l'huile. Il a dit aux disciples, allez, oignez d'huile. Marc chapitre 6, verset 12 à 13. Oignez d'huile des malades. La Bible dit, ils allèrent prêcher la bonne nouvelle et oignez d'huile beaucoup de malades. Et chassaient beaucoup de démons et beaucoup de malades étaient guéris. Donc, Jésus a utilisé l'huile. Jésus a utilisé l'eau. Jésus a utilisé la salive. Jésus a utilisé la terre. Maintenant, qui es-tu pour dire que ça, ce n'est que la sorcellerie? C'est ça aujourd'hui. Les sorciers ne font pas autre chose que copier ça. Reçois cette grâce que je communique ce soir. Et à la fin, nous allons clôturer avec un verre d'eau. Je crois qu'une guérison est possible si tu écoutes seulement la révélation. Maman Nancy est complètement guérie. Parce qu'elle a seulement mangé un légume, une légume que je lui ai dit, mange ce légume. Parce que, laissez-moi mis à cœur, dis-lui, fais-lui la même chose. Et puis, paf! Elle a fait ça, elle est complètement guérie. Vous voyez l'aveugle de Bethsaïda et l'autre aveugle
ce sont le même, c'est la même situation, la même maladie, la même difficulté, mais ils n'ont pas la solution de la même manière. L'autre devait même aller jusqu'à se laver au réservoir de Siloé. Donc pour compléter sa guérison, il devait marcher, il devait aller se laver pour que puisse. Et pourtant, il était déjà avec le Seigneur. Peut-être le Seigneur te dit seulement, continue à prier. Continue à faire des offrandes. Tes enfants reviendront. Continue à jeûner. C'est pourquoi nous avons dit jusqu'au mois de décembre. Chaque week-end, nous aurons jeûne, 3 jours de jeûne et prière comme aujourd'hui. Et la fin de mois, 7 jours de jeûne et prière. Grèce-toi cette guérison. Il y a un pouvoir dans la nature. Il y a un pouvoir dans la nature. Ne jouez pas, bien-aimé Seigneur. Regardez par exemple, Moïse arrive chez Pharaon. Un bâton sec, parce que ce n'était pas un bâton frais, c'était un bois sec. Dieu dit dans la brousse là-bas, dans le désert, il dit à Moïse, jette les bâtons que tu as. Dieu a jeté les bâtons, Moïse a jeté les bâtons. Et le bâton qui était sec s'est transformé en un serpent. Un serpent, c'est un être vivant. Un serpent, c'est un être vivant. Il a le sang, il a les muscles, il bouge. Et Moïse voit le bois qui était sec, commence à bouger, à voir la vie. Et le bois bougeait. Pendant que le bois bougeait, devenu serpent, Dieu dit à Moïse, prends-le. Moïse l'a pris par la tête. Et quand il a pris, la Bible déclare, le bâton est redevenu encore sec. Mais regardez ce qui se passe. Moïse arrive chez Pharaon. Quand Moïse arrive chez Pharaon, la Bible dit, il a jeté le bâton. Les sorciers de Pharaon aussi ont jeté le bâton qui était de bois sec. Ces bâtons sont devenus aussi des serpents. Donc ils ont reproduit exact. Faisons attention avec la nature. Ils ont transformé des bois secs sont devenus des êtres vivants. Et puis le bois de Moïse. Un bois avalé d'autres bois. Vous voyez le mystère. Mais regardez que Dieu a fait qu'un bois sec devienne un être vivant. Les sorciers ont reproduit la même chose. Maintenant, si toi tu avais vu les sorciers de Pharaon jeter leurs bâtons et que ces bâtons deviennent des serpents, mais tu ne sais pas que c'est la procédure que Dieu que Dieu fait. Tu ne sais pas que Dieu aussi avait déjà demandé à Moïse de jeter le bâton par terre et que le bâton devient du serpent. Donc, quand tu vas voir Moïse jeter son bâton et que le bâton devient serpent, toi tu diras, mais ça c'est la sorcellerie. Parce que j'ai vu ça chez les sorciers de Pharaon. Mais or, les sorciers de Pharaon ne font que reproduire la Bible ou la magie, Dieu ou Satan, le vrai et le faux. Dieu ne copie pas Satan, c'est Satan qui copie Dieu. Je voudrais terminer pour te dire que ta guérison dépend seulement de l'obéissance dans la révélation. C'est pourquoi Esaïe dit, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Je prie pendant ces 3 jours, Ephrata, ouvre-toi, afin que tu reçois quelque chose de spécial pour ta santé, pour ta destinée, pour ton avenir. Ne laisse pas les doutes, la peur, les inquiétudes, les stéréotypes t'empêcher d'accéder à ta guérison, t'empêcher d'avancer dans la vie. Tu es trop précieux aux yeux de Dieu. Alléluia, tu as du prix aux yeux de Dieu. Il est mort à la croix pour toi. N'écoute pas les gens, mais écoute la parole de Dieu. La Bible déclare, après avoir guéri cet homme, et pendant qu'ils étaient en train de partir, il dit aux disciples, aux dires des hommes, qui suis-je moi le fils de l'homme? Parce qu'il a compris qu'ils ont des stéréotypes. Nous allons augmenter 3 minutes. Ils ont des stéréotypes. Alors les gens commencent à dire, tu es Jean-Baptiste, tu es comme ça, tu es comme ça. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus retourne et dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus a posé cette question? Parce que Jésus avait vu dans le cœur de ces gens, que ces gens, au fait, étaient là, ils s'embrouillaient. Ils les suivaient, mais ils ne les connaissaient pas. C'est pourquoi j'avais dit, la foi dernière, avoir la foi, ce n'est pas connaître ce que les autres croient, mais c'est une expérience personnelle. Nous croyons tous en Jésus, mais nous ne connaissons pas tous le même Jésus.
Le Jésus que tu connais peut-être c'est Jean-Baptiste. Le Jésus que tu connais peut-être c'est Élie. Le Jésus que tu connais peut-être c'est l'un des prophètes. Mais le Jésus que moi je connais c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cela peut dire que c'est une expérience personnelle. Avoir la foi, ce n'est pas connaître ce que les autres croient. Oh attention, hein, là-bas chez vous utilisez l'huile, nous chez nous, mais c'est la Bible. Est-ce que la Bible déclare que tu dois manger, dit un verset là-bas, spécifiquement, mais la Bible déclare, il a donné les plantes pour les besoins de l'homme. Il a donné les plantes pour les besoins de l'homme. La Bible ou la magie, c'est 3 jours, je serai encore percutant. Et je demande à Dieu que Dieu te révèle quelque chose. Et pendant que je parle, quelque chose va entrer. Prends maintenant un verre d'eau. Prends maintenant un verre d'eau avant de terminer. Prends un verre d'eau. J'ai dit ici quelque chose avant de terminer, très important. Le pouvoir de la pensée humaine. La Bible nous montre dans Proverbes chapitre 3, au verset 6, au verset 8. La Bible déclare que ne mange pas la nourriture ou le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. Donc la Bible dit ici dans Proverbes 23, 6 à 8, que les pensées de l'homme peuvent être communiquées dans les objets naturels. Quelqu'un peut communiquer ses pensées dans la nourriture. Quelqu'un peut communiquer la pensée dans la nourriture. Quelqu'un peut communiquer ses pensées dans un objet. Dieu a dit à Moïse, jette le bois. Le bois est devenu serpent. Qui a commandé au serpent brûlant d'aller mordre les gens dans le désert avant de créer le serpent de reins? Qui a ordonné? Qui a ordonné? C'est Dieu. Qui a ordonné au corbeau, un oiseau, d'aller nourrir Élisée? C'est qui? C'est Dieu. En même temps, il a aussi ordonné à une veuve de le nourrir. Un homme, une femme a nourri Élisée, mais un oiseau aussi a nourri Élisée. C'est question de l'obéissance à la révélation. Esaïe dit, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Je prie vraiment au nom de Jésus que nous mangeons la meilleure production du pays en obéissant strictement à la révélation de Dieu que nous allons recevoir pendant ces 3 jours. La Bible ou la magie veut dire tout simplement qu'il y a des cérémonies par lesquelles le Seigneur peut nous guérir. Parce que Dieu ou Jésus n'en avait pas besoin, mais il en a fait. Les pensées peuvent être communiquées. Proverbe 23, 6 à 8. Tu peux parler. Par exemple, maintenant prends ce verre d'eau, là où tu es. Ça veut dire que si je parle, la Bible dit que les pensées de l'homme peuvent entrer dans la nourriture. Tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Maintenant, puisque je pense que ce verre d'eau que tu as entre ta main droite, que ce verre d'eau devient le sang maintenant, je le crois, que le verre d'eau que tu as dans ta main devient le sang. Moi, je ne vois pas directement le sang, mais dans mon esprit, je vois que dans ta main, le verre que tu as dans ta main, c'est le sang de Jésus. Et la Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Alors, je crois maintenant avec toi et à ta place aussi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toi aussi, tu dois croire que pendant que je parle, en base de psaume, parole de Proverbe 23, versets 6 à 8, que ma pensée peut être communiquée. Vous devez savoir que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était quoi? La parole c'est quoi? La parole c'est d'abord c'est la pensée. Avant que quelqu'un articule sa bouche et faire sortir le verbe, c'est parce que la parole vient d'abord de la pensée. Jésus-Christ est la pensée de Dieu devenue parole, et cette parole est devenue chair. Mais vous devez savoir que il est d'abord à la base la pensée de Dieu. Dieu a pensé comment il peut maintenant délivrer le monde, et cette pensée est devenue la parole, le verbe. Cette parole est devenue le verbe. Et ce verbe
est devenu chair. Et c'est cette chair qui est descendue sur terre qui a libéré l'homme. Mais à la base de ce verbe, il y a la pensée. Je pense et je communique maintenant à travers ce verre d'eau que la guérison reçoit, entre à travers ce verre d'eau et que tu reçois la guérison. Si tu es en rhumatisme, si tu as des astoses, si tu as l'astrose, si tu as des kystes, je ne sais pas quel est le problème que tu as. C'est un problème de tension artérielle. Si tu as un problème, je ne sais pas, de cancer. Je suis en train de demander à Dieu à travers de ce verre d'eau, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ce verre d'eau soit transformé en sang. De même qu'il a changé l'eau et devenu vin, que cette eau maintenant, j'y crois, c'est le sang de Christ, et bois maintenant avec moi, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Bois et donne aussi à ton enfant. Bois, donne aussi à ton mari, donne à ta femme. Bois. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors je vous bénis. Je vous bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis de tout mon cœur. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous demain à 18h, hein, sur votre chaîne, pardon, sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministries. Je vous donne rendez-vous là-bas, en tout cas demain à 18h, et en 22h, nous sommes sur YouTube, hein, sur votre chaîne Samuel Panzo TV. Et nous allons clôturer la Bible et la magie, bien-aimés les seigneurs, dimanche 10 septembre, de 10h à 13h, à Novotel de Noisy-le-Grand. N'oubliez pas, nous aurons toujours un jeûne et prière de 3 jours tout le week-end, comme convenu. Et notre prochain jeûne de 7 jours, ce sera du lundi 18 au lundi 24 septembre. 7 jours de jeûne et prière du lundi 28 au dimanche 24. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous attendons votre témoignage. Nous vous attendons à témoigner. Appelez-nous et mardi, nous serons en live avec Maman Nancy qui va témoigner sur la guérison. Alors ce mardi-là, préparez la Sainte Cène. Alors préparez la Sainte Cène. Nous sommes en train de préparer encore l'onction, l'huile de Sion, n'est-ce pas? Nous allons ramener l'huile de Sion. Ceux qui ont besoin de commander l'huile de Sion, n'hésitez pas. Nous en aurons peut-être d'ici une semaine, nous en aurons aussi peut-être déjà mardi, nous en aurons. Gloire à Dieu. Et nous croyons que nous pouvons communiquer quelque chose dans le naturel et puis cette chose-là prend vie et vous amène la guérison. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de continuer à soutenir la montagne de la prière, les pages Facebook, c'est très important. Partagez les vidéos, continuez à partager. Nous continuons à chercher des gens et des entreprises qui vont continuer à nous aider. Vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Tu es guéri, tu es touché. Témoigne la gloire de Dieu. Envoie ta dîme, envoie ton offrande. La Bible déclare notre Dieu s'est souvenu des offrandes, des aumônes, des corneilles, que Dieu se souvient de tes aumônes. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur te bénira. Au nom de Jésus. Bye.